Déjà, ça, vous pouvez le faire. Je fais avec l'autre main, comme ça, vous êtes dans le sens de lecture. Pardon. Déjà, on pourrait apprendre ça. Et ça, on peut l'apprendre sur la solfa. C'est les trois notes. La solfa. On en a rajouté une par rapport à souris, qui était la fa. Donc, on a quand même notre tierce. La sol fa fa sol la fa. Voilà, on a notre petite question. La sol fa fa sol la sol fa. Faire le geste comme ça, ça permet d'avoir bien la même note. Et justement, petit exercice, on va chanter que les fa et on va essayer que ce soit toujours le même fa et le reste on le garde dans la tête. Fa, 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 fa. On essaie d'avoir tout le temps le même. On refait ça parce que ça c'est dur. Fa. 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 Bon, évidemment, il y a beaucoup plus d'ambiance quand il y a plein d'enfants autour, plein d'adultes autour. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on peut faire quelques petits mots, hein, très vite. Vous répétez après moi. Je le fais une fois, puis vous. La, la, sol, sol, fa. La, fa, sol, la, la. Comme ça, je suis sûre de le fausser. Allez. Un autre. La, sol, fa, fa, sol, la. Un autre. Donc là, on peut reconnaître les notes jumelles. Là, on a les deux pareils. Voilà. Donc ça, c'est pas mal pour ce soir. Peut-être qu'on est un peu fatigué. Après, j'avais des petites cartes. Mais on pourra faire peut-être une prochaine fois les petites cartes qui se présentent comme ça. Voilà, on va faire le premier exercice et puis après on va arrêter, on va être tranquille comme ça. Voilà, hop. Je vous montre ça vite fait. La caméra, la lumière, on va y arriver. Voilà, on va faire ça par terre comme ça. Ah, s'il y a encore quelqu'un. Voilà, donc ici on a les petits dessins. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Voilà. Alors au début, je vous en présente que on va mettre 4, allez. 4, 5, allez. Ah, peut-être. Allez, on en met 6. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Est-ce que vous les voyez bien? Il faut reconnaître. Alors, il y en a des très faciles, hein, vous avez vu. Hein. Voilà. Vous les avez bien tous en, devant les yeux. Si je fais celui-là. Donc ça, c'est très facile. Non, 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 non. Eh, c'est ça. J'ai commencé par un facile. Allez, on essaye de faire celui-là. Alors là, c'est intéressant de reconnaître les notes qui sont pareilles. Que vous voyez ici, elles sont bien indiquées. Par exemple, ici, on voit que les deux notes là sont pareilles. Là, les deux notes sont pareilles. Là, les deux notes sont pareilles. C'est intéressant de voir
Ici, ils indiquent par un gros rond au départ, un grand cercle, la note vraiment forte entre fa sol la, c'est cette note-là qui est forte. Celle-là est un peu plus faible et celle-là, elle est entre les deux. Le sol, c'est une note un peu instable, on ne va pas rester dessus. Non, elle nous conduit forcément sur. Sur. Donc voilà, c'est une note sur laquelle on ne va pas rester longtemps. Donc on l'a. Est-ce que là, c'est bon la lumière? Donc j'ai fait celui-là. Attention parce qu'il y en a deux qui se ressemblent beaucoup.